Sébastien m'a expliqué un petit peu quelles sont pour lui les bases de la méthode, c'est-à-dire les ingrédients de base. Et ensuite, chaque agriculteur peut faire sa recette perso, quoi. Ouais. Comme Bon. Sébastien et toi, vous avez deux recettes diamétralement opposées, mais il y a Ouais. quand même des bases, il y a des ingrédients dans les deux recettes qui sont les mêmes. Bon, Sébastien n'a aucun problème avec ce qui est compliqué. Moi, j'aime les choses qui sont plus simples. Très simples, même. Au niveau rendement, c'est bon. Probablement, dans le groupe, c'est moi qui ai eu le. Ben, je pense bien que c'est moi qui ai eu le plus haut. C'est ici qui a eu le plus haut rendement. Combien? Tout près de 10 tonnes à l'hectare. Dans D'accord. le maïs, contrairement à 12 tonnes, presque 12 tonnes à l'hectare, le restant de la parcelle. Mais il faut dire que cette parcelle-là, c'est une de celles qui tire la patte depuis toujours. C'est une ferme que j'ai achetée au début des années 90. Et puis, c'est un sol assez lourd, beaucoup, un pourcentage d'argile assez élevé. Et puis, cette terre-là était en maïs continu depuis au moins 25 ans, labourée assez profondément. Donc, elle avait beaucoup, beaucoup de besoin d'amour pour l'amener à un niveau intéressant de rendement et de rentabilité. Mais on est parvenu à réussir à le mettre en forme, et puis par la patience et puis par les années. Je dirais que ça m'a pris 10 ans avant de l'aimer, cette terre-là, puis un autre 10 ans avant que les rendements s'approchent de ce que je peux faire à mon emplacement principal. Et puis, en plus de ça, bien, c'est le dernier champ qu'on a semé avec une variété hâtive. On a semé le 22 mai, si je ne me trompe pas. Normalement, on devrait être capable de semer le maïs dans la première semaine du mois de mai. Donc, il y avait un bon 2 semaines, 2 semaines et demie de retard. Puis, on a eu une année de misère ici au Québec, mois de juin frais. Bien, ça, on est au courant. Sébastien doit l'avoir exprimé comme il faut. Avec un automne qui est arrivé, même un hiver qui est arrivé très tôt, un gel hâtif en septembre, puis l'hiver qui est arrivé très tôt, la neige, on a récolté dans la neige. Ce qui fait que le rendement est quand même acceptable, satisfaisant. Même je suis surpris, là, considérant l'année, d'avoir un bon rendement, mais c'est peut-être pas la meilleure année pour faire ce genre d'essai-là, pour que ça soit concluant. Mais il reste que 20 % de baisse de rendement quand on part de 12 tonnes à l'hectare ou tout près de 12 tonnes à l'hectare, ça fait quand même 2 tonnes à l'hectare. Ce qui veut dire que la bande elle-même qu'on a mis, moi dans mon cas, c'est du kapi que j'ai semé dans mon corridor solaire. J'aime bien cette expression-là, Ouais, corridor solaire. c'est Je beau. ne l'aurais pas appelé comme ça, mais je trouve ça intéressant. Et puis, ça va demander, ce que je veux dire, c'est que ça va demander une augmentation de rendement du soya sur cette bande-là de 2 tonnes à l'hectare cette année. Ce qui est à peu près impossible. Je sais qu'il faut patienter pendant. Il faudrait patienter pendant plusieurs années pour voir l'amélioration de la qualité du sol, l'amélioration des rendements sur ces bandes-là qu'on alternerait maïs, soya ou maïs-maïs, plante de couverture, là, tout dépendant de ce qu'on choisit. Mais pour ce qui est de l'amélioration de la qualité du sol qui proviendrait de cette pratique-là, moi, je pense que c'est plus efficace dans un sol qui était en conventionnel, qui est en conventionnel, donc travailler mécaniquement, peut-être de façon agressive, souvent de façon agressive, et puis qu'il y a besoin de beaucoup d'amélioration au niveau de la qualité du sol, puis de la vie du sol, la biologie du sol, physique et biologique. Dans mon cas, comme je l'ai mentionné tantôt, ça fait 25 ans que cette terre-là est en semis direct. Ouais, 25. Bon, la population de la terre est revenue. La matière organique est en hausse. Il restait à faire améliorer l'infiltration de l'eau. Et ça s'est fait. Et puis maintenant, les choses vont quand même assez bien. Puis, je pense que le potentiel d'augmentation
la rentabilité ou la qualité du sol est moindre chez moi par le fait des 25 années de semi-direct comparé à quelqu'un qui utilise la charrue ou un travail chisel ou un travail agressif. Ça fait que j'admets que cette technique-là est favorable à l'amélioration de la qualité des sols, mais pour un sol qui est en mauvais état. ou qui est en cours de régénération, quoi. Bien, la régénération d'un sol, c'est toujours un processus d'amélioration. Quand on considère que le sol est régénéré, il reste quoi améliorer? Il reste toujours des choses à améliorer. Peut-être qu'une fois que le sol, la base, a été améliorée, on peut passer à un étage au-dessus et mettre des arbres, par exemple. Possiblement. Possiblement. Mais oui, toi, c'est vrai que tu es une locomotive, quoi. Derrière, il y a des wagons qui sont en cours de transition vers des sols plus vivants. Ah, ben, si, ça s'arrête tout, ça. Ah bah, L'amélioration. ça dépend de tes Est-ce que c'est à objectifs. l'infini? Est-ce que c'est à l'infini? Ça dépend de l'agriculteur, je pense. Je sais que cette parcelle-là en particulier a encore besoin de quelques années avant d'atteindre son plein potentiel, là. Mais dans l'ensemble de mes champs, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer davantage, là. Faut vivre avec les conditions qu'on a ici dans ma région, contrairement à la région de Sébastien. L'hiver est plus rigoureux. Non, pas rigoureux, mais plus impitoyable face aux plantes de couverture. Chez toi. Chez moi, oui, dans la région tout près de Montréal, la région de Saint-Hyacinthe, étant donné que pour quelques degrés de température plus élevée, ben, on passe de la belle neige à de la glace dans le champ. Puis les couverts végétaux ne résistent pas. D'ailleurs, au printemps 2019, tout le seigle que j'avais semé, il m'en est resté à peu près seulement que 5 à 10 %. Et puis toutes Alors. les autres cultures, toutes les autres dans mes gros couverts, les plantes qui pourraient peut-être passer l'hiver, il n'y a rien qui a résisté. Puis il n'y a à peu près rien qui résiste. Là, cette année, j'en ai du seigle que je peux voir ici par la fenêtre, là, mais je n'ai pas vu partout si c'est à 100 % bien levé, là, si on est encore un peu trop tôt. Et Mais alors, quand on s'éloigne un peu, près de, mettons, dans la région, un peu plus au nord, un peu plus à l'est du Québec, bien là, le couvert de neige reste plus important, puis il y a une meilleure survie à l'hiver pour les plantes de couverture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir un beau couvert vert semé dans du vert au printemps, c'est assez aléatoire. C'est une année sur deux ou sur trois. Et du coup, peut-être que c'est aussi difficile d'implanter un couvert après la récolte du maïs. Oui, c'est très difficile. Au cours Toi, des. tu n'as Moi, je pas. l'ai fait depuis une dizaine d'années, là. Oui, c'est ça, 10 ans. Et puis, plus on avance dans le temps, là, ben, moins je suis capable de le réussir. D'ailleurs, pour ce qui est de 2019, après le maïs, ça a été impossible de semer. L'année précédente, on avait fait peut-être une vingtaine d'hectares, même pas, une quinzaine d'hectares. Et puis, là, plus on recule dans le temps, plus on avait des grandes superficies. Il y a une année que j'ai semé. Partout après maïs, c'est qu'on a rarement un beau mois de novembre au cours des 5 dernières années. J'ai semé avec des résultats très, très mauvais, là. Ça ne vaut même pas la peine. On dit que ça ne vaut pas la peine ce que j'ai fait. Ce n'est pas un investissement rentable, là. Quand il reste à peu près 5 à 10 % du seigle que tu as semé, j'ai semé jusqu'au 15 novembre du seigle. On l'a essayé et puis ça valait pas la peine. Si le mois de novembre et décembre étaient beau et chaud, puis qu'on a un printemps hâtif, ça serait autre chose, là. Mais dans les dernières années, on a plutôt un automne humide et froid, puis un printemps tardif. Cette année, ça se peut que ce soit différent. Mais j'ai pas de seigle après maïs, là, cette année. J'en ai pas. Et Pour la première fois. est-ce que la technique des corridors solaires pourrait être quelque chose pour pouvoir implanter un couvert qui dure tout l'hiver ensuite? Sûrement, ça pourrait aider. Mais est-ce qu'il va passer l'hiver quand même? Ça, on ne sait pas. Le seigle, oui, partiellement. Oui. Ben, disons que
La réussite peut être de 10 à 100 %. On est dans cette situation-là. Donc, le KOP, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi le KOP et puis quelles ont été les étapes principales de l'itinéraire technique? Bon, moi, ma première condition, c'était que je ne voulais pas refaire un deuxième semi. Tout devait être semé en un seul passage au semi du maïs. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai vu aussi, je pense que c'est dans la revue No-Till Farmer, qui était question du KOP. Et j'ai fait une recherche là-dessus, puis je voyais que c'était une plante qui était un excellent couvre-sol, qui ne montait pas trop en hauteur. Puis, avec la grosseur de la semence, bien, je pouvais utiliser mon semoir à maïs pour le semer en même temps que le maïs. Puis, moi, j'ai un semoir Vaderstat qu'on peut gérer unité par unité. Puis, on peut faire varier le taux de semis par unité. C'est que j'ai choisi cette culture-là. Puis, je pense que c'est un bon choix pour ce que je voulais faire. J'aimerais rajouter une ou deux autres plantes avec, dans un mélange que je pourrais pas mettre dans ma boîte d'unité du semoir à maïs pour avoir un peu plus de variété, mais je pense que le KOP les étoufferait. De ce Eh que j'ai oui. vu, ouais, le KOP, c'est très, très, très bien développé. Tu as vu les photos, ça fait un. Même, j'ai un. Un espace, moi je semais deux rangs de maïs, deux rangs de KOP, j'y allais deux par deux, j'ai choisi ça parce que je sème au 51 cm. Donc, pour être capable de faire du côte à côte, là, sans être obligé d'aller un côté du champ puis à l'autre, puis en tout cas, dans l'emplacement des rangs, bien, je pouvais faire deux rangs de maïs, deux rangs de KOP, partout dans le champ, en semant côte à côte. Si tu fais pas ça, bien, tu peux avoir des bandes espacées trop, trop larges et puis d'autres trop, trop, trop étroites. C'est qu'on a choisi d'y aller deux par deux. C'est-à-dire, concrètement, Oui. j'ai du mal à visualiser en fait comment tu as mis en place ton essai. Et pour comparer aussi peut-être avec un écartement normal. Bon, je suis au 50 cm. J'ai 12 rangs. Donc, j'ai semé 6 rangs de KOP, 6 rangs de maïs. Pour réussir à avoir une bonne configuration, pour avoir toujours des rangs doubles partout dans le champ, il fallait que j'aie un rang de maïs en bordure du semoir. Ensuite, deux rangs de KOP, deux rangs de maïs, puis je m'en vais comme ça vers le centre. Ça me permettait d'avoir toujours là, dans mon essai les deux par deux. Parce que quand je fais un aller-retour, si j'ai semé seulement un rang dans le bout du semoir, quand je reviens à côté, ça fait deux rangs. Est-ce que tu comprends mieux? Non, mais je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que pour tout te dire, je ne sais pas si tu te souviens, mais je ne suis pas très logique. Tant que je ne suis pas montée dans un tracteur, je ne comprends pas ce genre de choses. Et je Ben, pense que les agriculteurs comprendront tout à fait. Avant de semer, ben, on a fait des différents scénarios de comment on plaçait ça. Est-ce que j'y allais un rang de KOP, un rang de maïs? Parce que là, ça n'aurait pas été des 60 pouces, ça aurait été des 40 pouces. Mais oui. Si je voulais avoir 60 pouces, il fallait que je laisse deux rangs pas semés. Puis je ne voulais pas avoir seulement un seul rang de maïs et deux rangs de KOP. Parce que j'aurais semé seulement que le tiers de la surface. Et puis j'aurais été obligé de monter la population sur chacun des rangs beaucoup trop haute. Fait qu'en faisant des rangs jumelés, si tu veux, là, ça me permet d'avoir une population un peu moins dense sur le rang. C'est ce que je voulais aussi. Parce que j'ai augmenté le taux de semis de 50 % du maïs. T'as mis 130 000, c'est ça? 135 000. Ah oui. Si on met 135 000 sur un seul rang plutôt que deux, ben, on a un espace assez rapproché, là. On était comme à 10 cm entre les Les rangs de pieds. maïs, entre les pieds de maïs, oui. Là, ben, en ayant, peut-être même un peu plus proche que ça. En tout cas, ça permettait de distancer sur la ligne de semis, les pieds de maïs. Mon idée à moi, c'était que
pour éviter d'avoir trop de population sur le rang, on faisait du 2 par 2. Et quelle quantité de kaopi tu as mis? Ça, je ne le sais pas. Disons qu'on a eu un problème technique. On n'a peut-être pas... C'est une nouvelle technique, hein, une nouvelle chose. En principe, le moniteur aurait dû gérer ça, mais il ne l'a pas dû gérer, justement. Quand on lui a demandé deux taux de population, il aurait fallu ramener à zéro le compteur de semences. Bon, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et puis, il y a eu de la misère, de la difficulté à faire sa moyenne. Fait qu'on voulait semer un peu la même population que le soya, donc aux environs 300 000 pour le kaopi. Mais il aurait mis à peu près, d'après ce qui m'a resté comme sac, j'aurais mis à peu près 100 000. Et même peut-être un peu moins. Mais je trouve que c'est suffisant quand même. Cette année, si on poursuit l'expérience, on va garder le même taux de semis pour le maïs et le kaopi. Puis en espérant pouvoir ajouter peut-être une deuxième plante là, là-dedans pour voir comment elle se comporte. Mais je pense pas qu'elle va pas passer à travers le kaopi. Kaopi va tout contrôler ça. Parce que moi, j'ai pas fait de traitement herbicide en post-levée du maïs. J'ai pas eu à le faire parce que le kaopi a tout contrôlé ce qu'il y avait. Faut dire que le champ est quand même assez propre là, à l'avance. Là. Mais les quelques plants qui ont passé à travers, le kaopi a embarqué par-dessus, puis il s'en est occupé. Donc, c'est finalement, même si ça ne t'aide pas à améliorer peut-être la santé des sols, ça peut t'aider à diminuer les herbicides. Oui, c'est pas... Regarde, j'ai perdu 500 $ de rendement. Et puis, ouais. L'herbicide représente à peu près 12 à 15 $ par hectare. Contre 500 $ là. Tu sais, c'est pas l'herbicide qui est la grosse économie là-dedans. Là. Parce que en post-levé, c'est une petite application qu'on fait. Tout se fait en pré-levé. Fait que c'est pas négligeable, là, mais c'est pas... On peut ne pas le regarder du tout, ça fait quand même. Et du coup, après, le kaopi, en fait, la parcelle, elle est comment aujourd'hui? Le kaopi, il a gelé? Oui, aux premières gelées, le kaopi s'est desséché, naturellement. Ouais. Les feuilles, tout ce qui était tendre, là, les feuilles sont disparues, les vers de terre les ont bouffées en peu de temps. Il a resté des longues tiges là, qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi. C'est quand même, ça se développe. J'ai même des tiges de kaopi qui ont monté en haut des plants de maïs là, jusqu'à la tête. Ça, je pense que tu as vu une photo. Là. Une chance qu'ils n'ont pas tous fait ça parce que ça pourrait être inquiétant pour l'averse. Là. Mais ouais, ça se développe bien. C'est long. C'est une plante qui... Ouais, c'est un bon choix de culture, on peut dire ça, ouais. C'est un bon choix pour aller dans cette pratique-là, mais j'en ai ce qui me pas préoccupe, là, mais ce que j'aimerais mieux, c'est d'avoir une ou deux de plus là, pour l'accompagner. Un peu plus de diversité, quoi. Exactement. Et puis c'est une graine qui est très chère aussi. Non. 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 Non, non, c'est pas très cher. C'est... OK. Non, c'est pas une inquiétude. Et alors moi, je me demande si c'est peut-être un exercice un petit peu difficile, mais si tu te mets dans la tête d'un agriculteur qui n'a pas encore des sols très, très fertiles et qui veut petit à petit supprimer, passer en bio, par exemple, exercice difficile, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quels seraient les trois principaux conseils que tu lui donnerais pour mettre en place cette technique en termes de vraiment de choses à faire pour ne pas se planter? Ben, moi, premièrement, je ne suis pas bio. C'est difficile de répondre, me mettre dans cette situation-là. Puis je ne serai jamais bio. Je tiens trop à la santé de mes sols pour passer en bio. Ayant connu le non-travail du sol pendant 26 ans, je me verrais mal retourner au binage, au sartelage. Puis, dans nos conditions à nous, au Québec,
Ben, comme je dirais un peu partout sur la planète, il n'y a personne qui réussit à faire du non-travail de sol sans herbicide, de façon constante et soutenable. Il peut y avoir des petits succès ici et là, mais obtenir des bons résultats de façon constante, je ne crois pas à ça, là. Je n'en ai pas vu. Sébastien, il travaille beaucoup. Sébastien travaille bien pour avec ses plantes de couverture. C'est même génial de l'entendre. Je m'amuse beaucoup à l'écouter. Mais il faut que le résultat suive. Et puis, on n'en est pas là encore. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui s'en va en bio? Je n'ai pas de conseil à donner à personne. Alors, quelqu'un qui souhaite diminuer l'usage de la chimie et qui souhaite ne pas travailler ses sols et mettre en place cette... En fait, quelqu'un qui veut faire cette technique et qui, si possible, aimerait diminuer l'usage de la chimie sans travailler le sol. En gros, comment tu mettrais en place cette technique sans travailler les sols et avec le moins de chimie possible? Ben, je suis déjà là, moi, sans moins avec la moins de chimie possible. Tout le monde peut dire que on est en un processus de réduction des pesticides. Tout le monde peut le dire. À mettre moins, ça dépend de où on part, mettre moins. Moi, Bah, c'est pas un résultat. bon, je vais simplifier la question. C'est Oui. les trois choses importantes à retenir pour réussir cette technique, ou en tout cas ne pas totalement. Voilà, il y a des agriculteurs bretons qui vont tenter là dans les 2 semaines qui viennent. Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais là dans les champs avant qu'ils s'y mettent? C'est difficile à répondre à cette question-là. J'ai seulement qu'une année d'expérience et j'ai fait un seul D'accord. semis. Ouais. Puis tous les autres dans mon groupe ont fait un deuxième semis. Ce que je ne ferai pas. Moi, je ne veux pas augmenter ma charge de travail. Cette technique-là, si on doit passer une deuxième fois pour faire un semis en un intercalaire, en fait, là, c'est ça. Et puis, peut-être une fauche de ceux qui ont réussi à avoir des beaux couverts pendant l'hiver, puis qui veulent faucher, qui doivent ressemer, ça devient assez demandant au niveau travail. Moi, ça, je veux pas ça. Je pense que j'ai fait, ma technique à moi est peut-être la plus simple, la plus simplifiée. Un seul semis, et puis rien après le semis, rien d'autre. Ben, j'ai fait un traitement herbicide en prélevé et puis rien d'autre par la suite. Tu sais, tu peux pas avoir plus simple que ça, là. Puis j'ai dans le groupe, au niveau volume, j'ai eu le plus haut rendement. C'est moi qui en ai fait le moins. Et puis dans les producteurs bio, il y en a un qui a eu un assez bon rendement, même très bon rendement, je dirais. Mais lui, il est à la charrue. Est-ce que c'est ça qu'on doit promouvoir? Est-ce que ça fait partie de l'amélioration, ça, l'utilisation d'une charrue? Tu sais, on peut se questionner là-dessus. Est-ce que la charrue devrait être inclue dans l'agroécologie? Parce que c'est bio. Tu connais mon avis là-dessus, Jocelyn. Ouais. Donc, Ouais. je n'utiliserai jamais de charrue, mais je pense que si je m'installe, je n'utiliserai jamais de chimie non plus. Donc, Bah, c'est déjà ça. Mais si je tu vais l'as. utiliser un peu de tout et j'essaierai d'aller petit à petit vers. En agroforesterie, après, c'est beaucoup plus simple parce que je ne vais pas faire de maïs, ni de blé, ni de soja. Quel genre de culture tu vas faire? Ben, en fait, je vais implanter je vais faire des lignes d'arbres écartées de 7 à 8 mètres. Et l'objectif, c'est de mettre une prairie entre les deux pour faire passer des poulaillers mobiles. Et dans les lignes d'arbres, il va y avoir toutes les strates de la forêt avec une cinquantaine d'espèces, Okay. des noisetiers, des châtaigniers, des framboisiers, des groseilliers Mm-hmm. et aussi des arbres fourragers pour les poules. Ah, Donc ça c'est. forcément, dans un système comme ça, t'as pas besoin de chimie, quoi. Non, évidemment. Si t'en mettais, ça serait exagéré même. Ça serait bizarre. Ouais. Donc chacun son système et moi je pars de rien. Donc je peux faire ce que je veux. On a tous notre histoire. Et ça, Sébastien
insiste bien là-dessus, c'est que chacun a son histoire, son contexte, son algorithme, et tu vas pas dire à Sébastien de se mettre à ta place totalement, il peut pas, et inversement, quoi. Non. C'est ça qui est passionnant quand on échange avec des gens comme toi, c'est que tu es très ouvert à la discussion et en même temps tu suis ta vision à toi. Oui, évidemment. J'y vais selon mon intuition. Et puis pour Et l'instant, mon intuition m'a pas trop fait défaut. Et puis pour ce qui est des pesticides, ben j'ai quand même mis de côté tous les fongicides et tous les insecticides appliqués sur les cultures en croissance, là. Puis la quantité d'herbicides que j'utilise, c'est sûr, j'utilise du glyphosate, là, mais en quantité, je suis pas mal vers le bas, là. Moins que ça, je pense qu'il faut retourner au travail de sol. En grande culture. Et oui. Je suis pas en maraîchage, là, sur un petit, je suis pas un jardin que j'ai, là, mais c'est quand même 240 hectares. Là. On fait ça, je le faisais tout seul, aller jusqu'à ce que mon fils soit intégré sur l'entreprise il y a 2 ans. Là. Mais aujourd'hui, on est deux, mais 240 hectares avec pratiquement pas de machinerie, pas de dépenses de carburant, des dépenses très faibles en herbicides, je pense que en pesticides, je pense qu'on est en. Notre cheminement est bon, je pense. Et puis, si on pouvait, je dirais même que si on pouvait cultiver en grande culture du maïs, du soya, des pois de conserverie, des haricots de conserverie sans herbicides, si c'était possible, je le ferais déjà. Bien sûr. Et j'ai juste encore deux, trois petites demandes techniques pour vraiment conseiller au mieux les agriculteurs qui vont mettre cette technique en place en France, parce que il y en a plein qui veulent essayer. Ben moi-même, j'ai trouvé ça très cute au début, très, très joli, très intéressant, quand j'avais vu ça dans le No-Till Farmer. Mais oui. Puis que ensuite Sébastien m'a appelé pour voir si je voulais faire partie du groupe. Ben oui, j'ai trouvé ça intéressant. Puis à la première réunion, je leur ai dit que j'embarquais là-dedans parce que je trouvais ça très cute. Mais que j'avais quand même un doute sur la rentabilité de cette opération-là. Puis la première année d'expérience me fait en sorte que mes doutes se sont confirmés. Je pars avec un déficit accumulé la première année de 500 $ par hectare. Aux environs de 500 $ par hectare. La deuxième année va faire quoi? Je vais voir dans cette parcelle-là, cette année, comment le soya va se développer. On va tenter de mesurer exactement à l'endroit du copy ce que le soya va faire. En tout cas, du moins d'évaluer assez précisément. Puis on va voir si c'est vraiment intéressant. Puis on veut commencer une parcelle qui va être mieux située que celle qu'on avait l'année passée, plus près des bâtiments ici, plus près de la ferme, pour qu'on fasse un suivi sur quelques années, plus simple, ici, simplifié au niveau du semis. Pas se compliquer inutilement, puis avoir des mauvaises surprises. Après, la deuxième année va être meilleure que serait sûrement meilleure que la première année, avec une variété plus pleine saison, puis semer tôt en saison que tard. Peut-être que les résultats pourraient être différents. Parce que ces corridors solaires-là, pour qu'ils soient profitables, il faut qu'il y ait du soleil. Il faut qu'il fasse beau. Il Et il faut faut que perdre. la plante soit adaptée, il faut que la génétique soit adaptée aussi, la génétique du Possiblement. maïs. Oui, ça a été mentionné, ça. Et moi, je ne sais pas. Possiblement. Ça Parce peut, que le choix de la variété peut être quelque chose, là. Peut y être pour quelque chose, oui. je En pense que c'est effet. important que ce soit une variété qui développe, qui soit, qui réponde très bien à l'augmentation de la photosynthèse, puisqu'il y a plus de soleil, puisque c'est un corridor solaire. Ben, généralement, les bonnes variétés répondent bien D'accord. à ces demandes-là. Puis, OK. moi, ici, j'ai eu le privilège d'avoir des parcelles d'évaluation en champ de nouvelles génétiques qui arrivaient sur le marché, qui étaient pour être mises sur le marché.
Ça fait que je savais déjà à l'avance lesquels qui seraient parmi les meilleurs. Donc, dans mes conditions à moi, les variétés que je sème, je sais qu'elles sont bonnes, parmi les meilleures. Mais est-ce que c'est parmi les meilleures pour les corridors salaires? Ça, c'est un peu embêtant. Mais cette année, je vais prendre une variété qui est parmi les meilleures variétés pour faire l'expérimentation. D'accord. Et du coup, tu as comparé avec, tu as mis en place, en fait, tu as divisé, tu as fait un morceau de parcelle comme ça, et le reste Ouais. de ta parcelle, c'est normal. C'est ta Oui, technique. C'est avec ça que je peux, chaque côté, j'ai Comparer. pris des pesées chaque côté de la parcelle, et Ok. puis on arrive avec une baisse de rendement de 20%. Ok. Moi, j'aurais souhaité, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, que le potentiel de baisse de rendement était aux environs de 20%. Moi, je m'étais dit, un peu en étant prétentieux comme je le suis habituellement, que je pourrais battre le modèle puis faire juste une baisse de 10%. Mais non. Mais J'ai fait comme les autres à une baisse de 20%. ouais. Il y en a qui ont fait jusqu'à 30% de baisse. Là. Ça fait que... Ou 100%. Ou 100%. Il y en a qui n'ont pas récolté encore, qui étaient laissés sur le champ. Oui, ça arrive aussi. L'agriculteur apprend en faisant des erreurs. Oui. C'est ça. Mais c'est l'année aussi qui a été Ah le bah oui, principal, il y en a le plein en principal France qui problème. n'ont rien récolté du tout, même Oui. avec du 75 centimètres. Ouais. Ben moi, j'ai 46 ans d'expérience en agriculture, puis c'était la première fois que je voyais une année comme celle de 2019. Je n'ai jamais connu ça. Ouais. Avec autant de soucis. Et une année très compliquée. Mais finalement, on se retrouve en fin d'année, puis on a des... quand même une année satisfaisante, là. Ce qui a été surprenant, malgré l'année difficile, c'est les légumes qui ont été, les pois et haricots qui ont été parmi les meilleures années. Ça fait que ça a sauvé l'année. Le maïs a fait une baisse de rendement, peut-être une tonne et quart à l'hectare, de baisse de rendement par rapport à l'autre année. Et puis, la soya, ben, on a eu une année tellement humide et fraîche qu'il y a eu des problèmes de moisissure blanche, là, de sclérotinia, qui ont fait couper le rendement d'une tonne à l'hectare. C'est pas tellement intéressant. Oui, mais c'est ça. C'est l'agriculture et ses défis. Alors, moi, j'aimerais bien conclure cette discussion parce que Ouais. Sinon, les agriculteurs qui écoutent cette vidéo, peut-être. Ne sauront pas quoi faire. Non, mais du coup, ils pourront écouter dans leur tracteur s'ils veulent en semant. Mais j'aimerais quand même peut-être donner une vision un peu plus globale sur l'idée qu'il y a énormément d'agriculteurs en France qui ont une qualité de sol, une fertilité basse, et qu'ils souhaitent mettre en place des couverts après le maïs, qu'ils n'y arrivent pas. Parce que c'est très très dur de semer un couvert en octobre quand il commence à faire froid, et que cette technique-là pourrait vraiment être un catalyseur de fertilité des sols en pouvant mettre en place des couverts dans un système où il y a beaucoup de maïs. Je pense que. Oui, mais il faut voir ça comme un investissement à long terme. C'est ça. Ce n'est pas un investissement à court terme. Ouais. Si le producteur est prêt à subir pendant quelques années une baisse de rendement de son maïs qui pourrait aller jusqu'à 20%, puis peut-être être diminué. Mais peut-être que c'est une baisse à tous les ans, mais avec une augmentation moyenne de son rendement quand même. Si on tout fait, doucement, oui, quoi. Ouais. Même s'il y a 20% de moins, puis que l'ensemble du rendement est en augmentation, ben, ça peut être positif. Mais c'est faut peut-être pas une penser. technique. C'est peut-être une technique qui va permettre à certains agriculteurs de tester l'agriculture de conservation Oui, aussi. Tu as raison pour là-dessus. ceux qui ont du mal à s'y mettre. Oui, ouais. J'imagine. Que apprendre à gérer les couverts végétaux, s'intéresser aux couverts végétaux, déjà là, c'est un bon pas. Moi, je ne sais pas si ça paraît négatif, tout ce que j'ai mentionné. Mais pour moi, personnellement, le retour sur investissement, il va être moindre qu'un autre, ça c'est certain. Bah en fait, c'est pas que c'est négatif ce que tu viens de dire, c'est que chaque agriculteur doit
intégrer ce témoignage que tu viens de nous faire dans son propre contexte. Tout à fait. Et ça demande un regard extérieur sur ce que tu viens de dire. Par rapport à quelqu'un comme Sébastien qui est super positif et on peut se dire, oh là là, je vais tout de suite mettre ça en place dans ma ferme. Et toi qui dis, attention, un peu comme Frédéric Thomas, qui est aussi le metteur en garde de l'agroécologie, il faut avoir différents avis et ensuite mettre en place quelque chose dans notre ferme avec des risques mesurés, quoi. Des risques mesurés, en effet. C'est beau l'optimisme, mais il faut quand même être réaliste. Pour moi, l'idée d'expérimenter sur 5% de tes surfaces, c'est pas mal. En prenant des risques sur 5% de ta surface, pas sur le reste. Mais le 5%, il faudrait le garder à la même place, année après année. Si on fait si on change la parcelle, l'endroit, on ne saura jamais. Tu seras toujours à l'an 1 de ton essai. Il faut faire l'essai au même endroit pendant plusieurs années. Il y a peut-être ça qu'il faudrait que les producteurs prévoient que cet essai-là, s'ils veulent le faire sur quelques années, qu'ils le fassent au même endroit pour voir comment ça se comporte. Ça peut être compliqué hein, aussi. Où est-ce que j'ai été faire ma parcelle en 2019? C'est loin un peu, puis je pense qu'idéalement, ce serait de faire du maïs, alterner maïs et kapi plutôt qu'aller en soya, là. Mais aller faire juste une petite parcelle dans un champ éloigné, c'est un peu désagréable. Donc, si c'est bien placé, la parcelle est bien placée, proche, accessible facilement. Un Et peu puis, la mais oui. comme les champs de comparaison de Bertrand Pommier, que Ah, tu je sais pas. connais. Bertrand Ouais. Pommier, qui est un des pionniers de base et qui a comparé pendant 20 ans TCS, labour et semi-direct. Et sa parcelle, elle est tout près de la maison. OK. Donc on va tester le Puis maïs à 154 cm sur cette parcelle-là. OK. Dans les trois façons de faire, dans les trois méthodes. Ouais. Donc là, OK, puis pour on verra en fait ce que ça donne en labour, en TCS et en semi-direct. Intéressant. Intéressant. Voilà, mais écoute, je vais arrêter l'enregistrement bientôt, Jocelyn. Et puis OK. bon, toi, tu as déjà pris beaucoup de temps pour partager ton expérience. C'est super, je te remercie. Ben, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi encore une fois. Bah ouais, et puis bah du coup, je te tiendrai au courant. En fait, on va accompagner sept agriculteurs là en Bretagne. Enfin, c'est moi en fait qui leur fournis des données, des ressources, cette interview. Et bien sûr, il y a plein d'autres agriculteurs qui pourront la regarder puisque je vais la mettre sur la chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est qu'il y ait sept agriculteurs en Bretagne qui testent. Avec plein de façons différentes. Hein. Il y en a certains qui vont mettre un couvert et d'autres peut-être 15. Hein. Et que chacun essaye. Il y a des éleveurs qui vont essayer, il y a des céréaliers qui vont essayer. Et l'idée, c'est qu'il y ait des étudiants qui aillent mesurer un peu les rendements, les couverts, le sol, et qui fassent aussi des vidéos pour interviewer les agriculteurs sur ce qu'ils ont fait. Oui, c'est bien. Et peut-être ils viendront au Québec pour faire la liaison entre les deux. Voilà, quand il n'y aura plus de coronavirus.